Libé, Labo. Il y a une unité syndicale. C'est une unité syndicale qui soutient le mouvement de Flandre. Il y avait 6 bus de 50 personnes au maximum dedans. Donc on est à peu près 350. Ensuite, il y a la raffinerie de Normandie qui est venue, la raffinerie de la Maine. Il y a plusieurs raffineries qui se sont rassemblées pour soutenir tous ceux de Total Dunkerque. Visiblement, la direction générale attend que les élections politiques soient passées, donc elle se refuse à faire une annonce officielle, tout en préparant le terrain pour des annonces négatives.